C'était quand même une blessure assez sérieuse de la cheville, avec un ligament qui s'était arraché, donc ça prend quand même du temps pour guérir. Mais voilà, depuis mon retour ici, ben, j'ai tout de suite m'étais pris en main et on a très tôt commencé à faire à travailler, à commencer la rééducation. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais il faut savoir être patient. Et je pense que là, je suis sur la phase terminale de cette blessure, et j'espère maintenant revenir vraiment au plus vite. C'était quelque chose de nouveau pour moi, et ben c'est voilà, des expériences qui sont pas faciles à vivre, mais ça fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau. Et voilà, j'essaye toujours de voir le positif de chaque expérience. Et voilà, là ça m'a voilà renforcé encore plus mentalement, parce qu'il faut voilà il faut prendre les choses les unes après les autres, et il faut voilà, ça t'aide à gagner en maturité aussi. C'était un peu particulier parce que j'ai vécu voilà, une grande partie sur le bord du terrain à encourager mes coéquipiers. Donc forcément, c'était au début ça a été assez difficile voilà, d'apprendre cette blessure et de savoir que je pourrais pas rejouer avant la fin du mondial. Mais après, une fois passé cette déception, j'ai réussi voilà, à me projeter en tant que supporter entre guillemets, et essayer de voilà d'être sur le bord du terrain, soutenir mes coéquipiers. Et c'est vrai que ça a été assez stressant de regarder les matchs, parce que forcément quand on est sur le terrain, on a plus de contrôle sur les choses. Et c'est vrai qu'au bord du terrain, ben c'est stressant voilà d'être dans l'ambiance du match et de pas savoir comment ça va se finir. On a vraiment fait une très belle semaine. C'est vrai que c'est jamais évident à aborder des retours comme ça de compétition internationale. Et là, avec le peu de travail qu'on avait, le peu d'automatisme, je trouve qu'on a vraiment bien démarré cette deuxième partie de saison avec deux matchs de qualité face à Nîmes et Silkeborg. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite, en sachant qu'on avait envie de repartir du bon pied, parce qu'on avait fini la première partie de saison avec cette défaite à Nantes. Donc c'est vrai vraiment qu'on a... On a bien rebondi et maintenant il faut continuer à avancer. Quand on a la chance de jouer au Paris Saint-Germain, qu'on a la chance voilà, de jouer pour gagner plein de titres et dans une équipe aussi prestigieuse, ben, c'est plus facile de redémarrer, et on l'a bien vu cette semaine avec les deux bons matchs qu'on a fait. L'objectif pour nous, il est clairement de gagner tous les matchs qui nous restent. Après, c'est vrai que la tâche, c'est un petit peu plus compliqué pour cette première place avec la victoire de Barcelone à Veszprém, mais on savait que ce serait comme ça. Et au-delà du classement dans la poule, je pense que le plus important vraiment c'est le jeu qu'on développe, ce qu'on monte sur le terrain, et parce que c'est ça qui nous aidera, c'est là où on arrivera par la suite à aller plus loin dans cette compétition. Donc nous, quoi qu'il arrive, on va tout donner pour aller chercher cette première place. À Flensburg l'année dernière, on a vu pas mal de difficultés. C'est un endroit où vraiment il est difficile de jouer. Et cette année, ils jouent très bien à domicile. On le voit, ils ont encore battu Kiel la semaine dernière chez eux. C'est une salle qui est vraiment compliquée à aborder. Mais je pense qu'on a les capacités pour le faire. Et c'est vrai mais ça serait pas un exploit, mais ça serait un match dans la trempe de celui qu'on a fait avec Schrem pour pouvoir gagner là-bas. Il faudra vraiment qu'on soit tous à notre meilleur niveau pour pouvoir espérer quelque chose. Ces derniers temps, il a beaucoup donné au mondial, beaucoup joué, et il a des bobos qui sont quand même assez gênants et contraignants, et malgré ça, il continue de dérouler deux matchs. Je ne sais pas combien de buts il a marqué contre Nîmes, mais il a fait un bon match, très bon match aussi. Donc nous on prend, hein, quand on a un grand Nico comme ça, on sait qu'on peut voyager très loin, et donc j'espère qu'il va continuer, mais c'est vrai qu'il faut... Il faut aussi voilà, trouver des temps de récup. Là, comme j'ai dit, la saison va être longue et on aura besoin de Nico jusqu'au bout. Donc j'espère qu'il tiendra la route jusqu'à la fin de la saison.